Je veux que la vidéo la parle chez les Burkinabés, chez les Maliens et chez les Nigériens aussi. Oui, parce que je vais donner des informations aujourd'hui qui leur concernent, qui concernent tous les pays africains. Oui, partagez très bien. Quand je vous dis de partager les vidéos, ma vidéo partagée, je ne vous demande pas de partager la vidéo. Mais pour distribuer et partager la nouvelle, il faut le faire. Raison pour laquelle je vous demande. Bon, Idi Amin est allé signer le contrat là. Je vais vous détailler qu'est-ce qui est même dans le contrat là. Aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je vais prendre mon temps pour vous expliquer. Idi Amin a signé la convention là, dans le bateau sur la mer. Idi Amin, c'est pas là-bas que vous avez signé. Tu es parti avec tes diplômes. Parce que quand la France a perdu le Mali, la France a perdu le Burkina, la France a perdu le Niger, Niamey. Oui. Maintenant, il y a une force à l'attente que tous les Africains, pays africains, doivent sont concernés pour cette nouvelle. J'ai été la première à dénoncer, à dévoiler la signature de Idi Amin entre lui et le chef d'état-major français. Ça n'a pas pris 24 heures. Les grandes radios des pays voisins, même la Guinée, ils étaient obligés de faire passer. Parce qu'il y a beaucoup de pays africains qui ont fait passer ça. La nouvelle sur leur télévision nationale même et leur radio. Oui. Donc ce contrat-là a été signé là-bas. Sur la mer, dans le bateau, Idi Amin est parti avec ses diplômes. Avec ses diplômes. Parce que quand Mamadi a fait le coup d'État, Idi Amin est rentré en Guinée avec quelle intention? Pour prendre le pouvoir, de remettre le pouvoir à Idi Amin, général Abubakar Sidiki Camara, Idi Amin, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, actuel ambassadeur encore à Cuba. La même seule personne-là, c'est lui, général Abubakar Sidiki Camara, alias Idi Amin Déboroué, un fumeur de Yembenyari, chambre indien. Chambre indien, il utilise ça. Donc, quand j'ai dévoilé ça, ça a pris les pays. Tous les pays africains. Maintenant, je viens vous dévoiler pourquoi Idi Amin se bat pour faire le coup d'État à Mamadi Doumbouya. Oui, parce que son intention après le coup d'État, c'est lui qui devait venir. Mais il a été bloqué par Mamadi. Donc, tous ceux qui peuvent déranger Idi Amin et Bala Samoura à l'heure là, il faut qu'il élimine tous ces gens-là. Quand il arrive maintenant à prendre Mamadi, maintenant qu'il aura une route ouverte, un chemin ouvert pour lui. Bon, maintenant, comme la France a perdu les pays là, qu'est-ce que Macron prépare, la France prépare maintenant à créer pour contre les pays africains? Il y a une force en attente.
une dangereuse force en attente, comme les Wagner là. Donc Idi Amin est sollicité pour ça. Il a fini de déposer ses diplômes là-bas. Maintenant, quand il prend Mamadi, lui, ils vont créer, ils vont éliminer l'armée guinéenne et créer une autre milice. Ça serait des Maliens recrutés, des Sénégalais recrutés, qui sont tous contre les pouvoirs en place. Ils seront tous récupérés pour contrôler les pays africains, comme les Wagner. C'est ça même qui est dans le contrat là. Raison pour laquelle Idi Amin a mis le Gombo sous les deux pieds de Mamadi Doumbouya. Mais comment le prendre? Il faut qu'il élimine les bons fils d'abord, comme feu général Saliba Koulibaly, Alayarham, les Amara, et les bons fils de la Guinée, comme le colonel qu'ils ont pris à Bata là-bas, qu'ils ont éliminé de teint clair là, quand ils ont arrêté feu général et Saliba Koulibaly, Alayarham. Ils ont pris un autre colonel là-bas aussi qui a été maltraité jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort. Donc voilà le plan de Abakar Sidiki Camara et Bala Samoura. Général Abakar Sidiki Camara, actuel ministre de la Défense de CNRD, en Guinée-Conakry 224. C'est ce que la France prépare maintenant pour mettre en place. Partout en Afrique, que la France ne gagne pas l'intérêt, maintenant c'est les vagabonds groupes là qui vont renverser les présidents là. La nouvelle là doit partir vers Burkina et Mali, au Mali et Niger, même au Gabon. Voilà une force qui est une force en attente. Une autre groupe créé contre les présidents en Afrique, comme Wagner par la France. Idi Amin est sollicité quand il arrive, que Dieu le piétine. S'il pouvait renverser et prendre le pouvoir en Guinée, il sera le président des Wagner en Afrique. Donc tous les pays africains, ouvrez vos yeux et veillez sur Idi Amin, pas seulement pour la sécurité de la Guinée, mais tous les pays africains. Voilà une force en attente qui est sur la table de Macron. Emmanuel Macron, le président de la République française. Leur secret, c'est ce que je vous dévoile aujourd'hui. Encore, derrière ça, Idi Amin, vous avez contacté vos groupes cachés dans Tombo aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous avez compris maintenant que vous marchez dans ma bouche, que vous marchez dans ma bouche. Voilà. Donc le secret de votre coup d'État, chercher le pouvoir, c'est le secret là que je viens dévoiler pour les Guinéens. Et ceux qui sont contre ce que j'ai dit, le Kousro, général Mfamara Kamara, fils de feu, Papa Diara, Alayarham, je peux leur dire que j'ai bien fait. À ma langue même, Soussou, Mfatara. Oui. Je suis contre Amara par leur mauvais comportement. Oui. Mais la manière dont ils ont utilisé feu général Saliba Koulibaly, c'est la même manière qu'ils vont faire à Mfamara aussi, si lui et sa famille
ne prennent pas leurs responsabilités. Moi, je n'ai pas de haine à garder. Raison pour laquelle, jusque-là, je n'ai pas de tension et mourir rien. Je dis ce qui est ici et puis je me livre. Oui. Et puis je me livre. C'est ça un bon croyant. Oui. Si quelqu'un me fait du mal, je peux vous éloigner. Mais je ne garde pas la haine dans mon cœur pour me chercher la maladie. Je ne le ferai pas dans ma vie. Oui. J'ai dit ça et je vais vous donner un exemple frappant. Un exemple frappant de moi. Quand la rébellion est rentrée en Guinée en l'an 2000, il n'y avait pas une bonne attente entre feu, noble président, général Lansana Conté, et feu, général Fassine Touré, Allah yarham. Mais dès que la rébellion est rentrée en Guinée, ce président Lansana Conté, quand il a pris son téléphone, il a appelé qui d'abord? La première personne. Il a appelé d'abord feu général Fassine Touré. Feu général Fassine Touré n'était pas en Guinée. Il était en voyage pour ses soins. Feu président Lansana Conté, Allah yarham, il a pris le téléphone. La première personne qu'il a appelée, c'est lui, général Fassine Touré, en lui disant que la rébellion est rentrée en Guinée. Ils veulent attaquer la Guinée. Mais ils sont rentrés vers votre région natale. Donc c'est à vous de voir maintenant. Oui. Général Fassine Touré, Allah yarham, il devait faire une intervention, chargerie, que vous pouvez comprendre ou quoi ou non. Il a pris sa valise encore, rentré en Guinée, Conakry. Ce jour-là, il descendait à l'aéroport, même son côte-là, c'était comme ça. Il portait une chemise blanche. C'est comme ça qu'il est rentré. Il a oublié son soin qu'il est allé faire pour sa santé. Sa préoccupation était... Et sa priorité était la sécurité de son pays. Les deux personnes-là ne s'attendaient pas. Donc, c'est des exemples que je vous donne. Ici, aux États-Unis, il y a des États ici, quand tu tues, on te tue. Mais il y a des États ici encore, quand quelqu'un tue, il passera toute sa vie en prison jusqu'à sa mort. C'est pas comme ça qu'on enlève la vie d'une personne. Mais tous les assassinats qui passent en Guinée, je vous dis aujourd'hui et je vous réassure, Mamadi tire sur ses gardes-corps. Oui, il le fait. Il l'a sciemment fait. Mais les assassinats qui se passent sur les militaires, les officiers comme ça, c'est Idi Amin, Ibala Samora. Et avant la mort, avant la dernière respiration du feu général Sadiba Koulibaly, Allah yarham, c'est Bala Samora qui est venu tirer sur sa tête et entre ces deux, celle-là, sur sa poitrine. C'est les deux personnes-là. Ce Bala-là a servi sous le régime du feu président Lansana Conté. Un militaire qui est allé en formation et revenir, refuser de prêter serment pour le président qui a payé sa formation.
c'est Bana qui a fait. Un haineux. Lui et Idi Amin. Mamadi ne connaît. Il ne connaît pas les officiers guinéens. Il a fait combien de temps? L'assassinat qui se passe sur la tête, sur les têtes des fils aujourd'hui, bien formés. Mamadi est dans le palais. Il tue ses gardes-corps là-bas. Je répète encore. Mais c'est Idi Amin et Bala qui sont là à assassiner les officiers de la Guinée qu'on a créée à l'heure là. Parce que leur coup d'État est prêt, mais c'est déjà piétiné depuis hier, quand j'ai dévoilé. Idi Amin, général Aboubakar Sidi Camara, tu ne seras jamais gagnant en Guinée. Tu vas regretter dans ta vie. Depuis le temps, le régime de feu, noble président Lassana Conté, qui a pris l'intention de faire le coup d'État à lui. J'ai commencé à veiller sur toi depuis ce moment. Moi, ceci, l'ambassade. Oui. Moi, ceci, l'ambassade. Aboubakar Sidiki Camara, général Aboubakar Sidiki Camara. Et Bala Samoura. Bala Samoura a servi sous le régime du feu président Lassana Conté. Sous le régime de Dadis, président Dadis, quand on lui a même fait passer à la justice pour le cas du 28 septembre, vous savez, quand il s'est retourné, ce qu'il a dit à Mamadi, il dit, si on m'appelle là-bas encore, si je reviens, ça va casser ici. Depuis ce jour-là, personne n'a vu Bala Samoura dans notre justice. Allez-y observer. S'il s'est rendu là-bas pour une deuxième fois, pourtant la preuve est sortie, il abusait un père de famille qui a dit merde aujourd'hui à son pays natal. Pour protéger sa vie. Tout le monde a vu ça. Bala n'est pas parti en prison. C'est le même Bala là encore qui ont tout manigancé pour renverser président Moussa Dadis Camara. L'arrestation des officiers là, c'est leur clan. Le plan monté contre Elhadji Sengou Dalé Ndiallo, quand il arrive à rentrer en Guinée, ça sort de Idi Amin. Hello. Hi. How are you? Good. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Ça sort de Idi Amin. Leur liste est prête. Leur communiqué est prêt. Que lui soit le président de la transition. Alana Mafima. Général Aboubakar Sidi Camara, Alana Mafima. Anu Alana Mafima, ma son. Parce que ça, les tours, il n'y a pas de ma fille. Il a gagné des bonhommes et bonhommes et ni là. Dieu même voit ce que tu mets sur les fils de la Guinée aujourd'hui, assermentés pour leur pays. Et puis tu oses encore d'aller t'arrêter et dire que si quelqu'un meurt, ou n'avez pas tué, ou ne l'avez pas tué, vous lui avez rendu à Dieu. Ta vidéo là circule partout, on a tout, tout le monde a gardé ta vidéo là pour un jour. Général Aboubakar Sidi Camara. Moi, personnellement, j'ai gardé dans mes emails. Partout. J'ai gardé. J'ai mis.
dans beaucoup de places. Ben voilà. Idi Amin a servi, Bala Samoura a servi sous le régime du président Alpha Condé. C'est les Bala là et Idi Amin là qui sont associés au coup d'État qui a renversé le professeur Alpha Condé. Voilà votre coup d'État, la manière dont vous avez utilisé feu général Saliba Camara et Koulibaly, Alayaram, à ce que la population guinéenne dise au monsieur que vous l'avez utilisé. Vous l'avez utilisé. Général Abakar Sidiki Camara, tu as mis d'abord un garde-corps sur lui. Il a nourri ce dernier. Il a fait une maison pour ce dernier. Il a fait un forage pour ce dernier. C'est le jeune-là qui est allé tomber, Samoura, qui a fait l'accident sur une moto. Ça s'est fait et je vous ai averti. La vidéo est sur ma page. C'est le jeune-là qui était connecté sur feu Saliba. Donc, les Guinéens, Conakry 224, les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, tous les pays africains, prenez cette vidéo, comme moi je parle lentement, et gardez, veillez sur eux. Le général Abakar Sidiki Camara, actuel ministre de la Défense en Guinée-Conakry 224, encore actuel l'ambassadeur à Cuba. Il gère deux postes à l'heure là. Donc voilà une force attente qui attend. Si son coup d'État arrive à passer. Parce que alors là, c'est les officiers formés là, mais surtout Amara, qui leur dérange alors là. Ils veulent éliminer Amara. Il y a des officiers aussi que Idi Amin veut éliminer. Tidiane Traoré, qu'on appelle comme ça Tidio, le vendeur de drogue là, le mauvais là qui montait, descendait derrière feu, colonel Ousmane Conté, Alayarham, un ingrat que je n'ai pas vu dans ma vie. Il est dans votre service renseignement là-bas. Il travaille pour lui. Mamadi doit comprendre que Tidio ne travaille pas pour lui. Oui. Même leurs, les premiers qui travaillaient là-bas, Ismaël Keïta, c'est Idi Amin qui lui a fait sortir. Le coup d'État de Idi Amin est piétiné à partir d'hier. Donc ceux qui viennent me demander la preuve, je vous donne un peu. Je vous donne un peu. Moi, je vis ici aux États-Unis. Des pays. Le pays des pays. Je vis ici. C'est eux qui m'ont étudié. C'est eux qui m'ont fait de ce que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas m'asseoir sans protéger mon pays. Je sais, l'ambassade vous donne sa parole d'honneur. L'ansanokuyati, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. L'intention de Idi Amin, il voulait, s'il gagnait le pouvoir, de mettre en feu Aminata Touré,
la fille de Feuille Sécoutouré, c'est ce qu'il avait dit. Mais vous savez pourquoi la femme est décédée au Maroc? Le matin, la journée, la nuit, ses parents l'appelaient. Encore il faut revenir maintenant, encore il faut revenir maintenant. Dès que la femme l'a rendu l'âme, la première personne qui a pris la fuite d'aller fouiller la maison de feu Aminata Touré et prendre les dossiers de sa maison, c'est général Ibo Abakar Seydi Camara qui l'a fait. C'est lui qui a fait. Donc que ça soit clair pour les soussous, mes parents forestiers, mes parents peuls, mes parents malinqués, tout le monde doit veiller sur Idi Amin. Même les pays voisins doivent veiller sur Idi Amin. Inch'Allah, Idi Amin, ton vœu est déjà piétiné. Moumini Hadi Meloumana. Il faut que je me de bilan, ça ne compte pas. Je suis là. Je suis dit que je ne suis pas là. Je suis 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 là. Bala Samora ne voulait continuer Idi Amin et fait tout le soir. À nos enfants qui tournent et qui ont été mis à l'éminence. À son force spéciale, il était, dis-moi, et voulait tomber sa mère. Et ça n'a pas encore ma maman dit n'a pas fini. N'a rien eu à déranger ma mère, mais elle est en train d'éliminer fini, et n'a rien. Fais ça, Liba, Kouliba, les rafraîchis, Rambila. Et si la reine est sa colonel de défense, Batakoui, et n'a pas de bombe en fara. Bala Samoura Moussé Fensi. Ma sanara régime en Nakoui. Dadi sera régime en Nakoui. Alpha Kondera régime en Nakoui. Seroba Ratan Dondrunti en Nakoui. Maintenant, Bala Samoura veut être ministre de la Défense. Idi Amin est contrancié malgré sa signerie en Antaki. Baton qui, nous t'en sauce l'ambassade dans mon mini Nafala. Nafala, mouler mouer nous nanibi. Dorbo le pays de Narbilbi la fila. Fénéral le Guinée qui, le Guinée qui est roux, il mangou comme confiné. Anna finoué la récolida. Nous avons une forêt de birre et nous avons une terre face au Nakoui. Donc, nous avons une bonne chose à mener. Il faut que nous avons une chose. Maman dit que nous avons une chose. Il dit que nous avons une chose. Nous avons un mouvement de Maman la Guinée. Nous avons dérangé. Il dit que nous avons une chose. Maintenant, nous avons une chose. Maman dit. A ham maniera passe ma kirana hanna na bara yama khifulo ba wuri fama a gaso na le ba wuri e fisen wali ya mum gelu gama yam fante mu dugama di usman gawon waye to fi cnr di bi e di amina khama posterine la na basir jallo e di amina khama posterine la. Et nous lançons un coup à ta mère, il t'en a du pouvoir à la fière. Il t'en a la fière. Mais il a fière, fière, n'a pas mal. Inch'Allah, il m'a dit, il m'a dit. Marguer, mais il est à Sindhi. Mangan, il a mis le roman. La Guinée sort d'Indagir et n'a Sénégal. Un militaire de la force spéciale a pris la fuite pour sauver sa vie. Il est rentré au Sénégal. Il est là-bas avec ses parents. Ses parents étaient là-bas.
avant que l'île prenne la fuite d'abord de la Guinée. Ils ont recherché, ils ont compris que le gars vit au Sénégal maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une plainte d'Interpol contre lui. Donc il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Il a été arrêté avant-hier. Mais je tire les oreilles du président Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. Yola, quand on a crié ici, vous priez au nom de Dieu, vous avez pris notre cri à vos deux mains. Grâce aux hommes forts du Sénégal, des avocats, des grandes personnalités comme M. Tine et les avocats qui ont défendu Jibril Sylla. Vous avez vu maintenant ce qu'ils ont mis sur Saliba. Maintenant, si vous arrivez à libérer ce militaire-là aussi, Daouda Bangoura, ils vont l'assassiner avant de rentrer même sur le territoire guinéen. Déjà, il est sorti avec beaucoup de secrets. Là où Mamadi met même les militaires qui ont assassiné, qui ont été assassinés le 5 septembre l'an 2021, il est sorti avec beaucoup, 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 beaucoup de vidéos. How are you doing? Là où on lavait, la pompier même est venue laver la route entre l'église catholique et notre ancienne école, la place des maritimes, et là où on met la fleur pour les maritimes et la banque centrale. Il a fallu ce jour-là, vers avant 6 heures du matin, que le pompier vienne laver le sang des êtres humains. Il y avait des personnes même qui ont eu leur tête ouverte. Je vous dis, il y a des personnes, il y a deux ou trois militaires qui ont perdu leur mémoire ce jour-là, quand ils ont vu leurs amis avec qui ils ont passé la nuit. Ils ont été tous assassinés. Le jeune Daouda Bangoura est sorti avec beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves. Ils ont voulu le tuer. Il n'a rien fait de mal. Rien. C'est le général Idi Amin qui veut l'assassiner. Comme il vient d'assassiner feu général Saliba Koulibaly, Alaye Arkham. Donc l'autorité sénégalaise, je vous lance ce message-là. Les croyants, que vous prenez à vos deux mains, on vous respecte et on a beaucoup de respect pour vous et vous êtes des croyants. Protégez la vie de Daouda Bangoura. Alors là, ils ne font que éliminer les fils assermentés de notre pays, Guinée-Conakry 224. Donc, on a créé une fille d'Angifi. Une force spéciale d'une renfadi ramini. Et Barakoulou Nana Sénégal. Naramri, nous vivons fait même Sindi. Parce que Sénégal, nous, la Guinée, c'est la famille. Comme entre nous et Mali, entre nous et Burkina, entre nous et la Côte d'Ivoire, Sénégal, c'est la famille. Moi-même qui vous parle comme ça, la maman de mon feu,
Papa, elle vient de là-bas, elle est célèbre. L'Afrique, c'est la famille. Donc, il y a une femme, et c'est Interpol, et il y a une femme. L'autorité sénégalaise est ma libre. Je suis là, je suis confiance. Et je suis là, je suis là. Et femme n'a ni ma protéger. Donc, au bien, je dois avoir un peu de bangoura. En Sénégal, l'Interpol, c'est un peu de bangoura. Mais je suis là, je suis là. Parce que le pays, le fait général, ça ne va pas faire tourner. La crise n'a pas de bangoura. Bila tourné. Naman dangi rambi. Gi kapuru kui kapuru kui. Gi jallo saraka ji sawire na kan wuruntun. President dadi sana haro so ayi. E bar sigesa. Esigesa. Clôture sou menela. La dinadi muna sisi meni tu. Faut y coucher drogue de fille à nous y crack. Qui que kere mouna, qui que fil mouna, mais ça rangra ni batagina. Le wonen de barre fradina ya. Bourma filigny et fangiri. Kere finet ungati à Bourma. Nadan de fille menne. Bachir Gialeta n'a rien à ministre de la sécurité, monsieur Vanfi. Darofoli dandang et marine rend d'arroser et tourma. Il reste à sa place, Molly. Il ne le mérite pas. Quelqu'un qui amène tel problème. On a maintenant nommé une place. Mais il n'a rien à vous dire de mon Amérique. On a connu. Mais ça n'a pas fait un bon rambé la main. Quand le coin a bien dit, il n'a rien à faire dans le monde. Il n'a rien à attaquer. Il n'a pas fait un bon rambé la main. C'est ce matin, mana. Faut y crack, à nous y couche. N'den a min, mou vidéo et toma. Faut y pense ton gué la côté n'yema, et n'a ben don. Wot an a ré y doma, ou bar me ré. Et ou sata sata fanira. Ou mou yaginara. Y bar me ré y bari, faut y gué. E bari fa y dunyama bar ki fanya gué. Je ne sais pas si tu es un film ou un film. Mais tu es fier, tu es digne. Et tu es protégé. Drogue, c'est une femme ou ma jeunesse. Drogue, c'est une femme ou ma jeunesse. Tu es un film ou une drogue, tu es un film ou une drogue. Tu es une femme. Ou bien tu es un film ou un film. Où ça fait au magine ma? Où nous y était qu'on a qu'un drogue là? Et n'en dit tout fou et n'y est qu'on a bendou. Et pense à quoi tu as mis à bendou. Où il n'y a mouillé à la moufera. Où a donné à canafou. Et pas maman mon santé à fagné ta rumoura. A moussi maya rompuyé fanfi mouma. Donc c'est une à la wata. La femme a dit mon wadam. A mon femme ou mon enfant. Donc, on a parc, mais il y a une qui donne à la mariée, ça a cana. On doit. L'autorité guinéenne gang qui est là, là, CNRD, s'ils sont là pour la population, ils doivent descendre là-bas. Donc, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Tina hala timman fama inshallah wa mutakam atana nake salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.